attendez, pour me stabiliser sujet que n'a parlé là. Bon, me raconte une petite histoire simple. Histoire ça, il parlait de un jeune homme. OK, qui sorti dans une famille très pauvre. Très très pauvre. Monsieur fait dans misère, il grandit dans misère. Et toute ville passe dans souffrance, toute salle connaît ses misères. Un moment qui arrivait dans la vie monsieur, monsieur commençait travail, il jeune petit travail. Monsieur livrait la ville. Li livre la ville dans travail. Monsieur travaille, li travaille, li travaille en pile. Li fait comme li rive à l'école. Li apprend en pile bagaille. Li finit l'école, li al nan université l'étudier, l'apprendre, li al nan l'autre université l'étudier, l'apprendre. Monsieur achète en pile livre. Monsieur vinn gen en pile connaissance. Monsieur rive joine un travail dans un gros compagnie. Monsieur prend tout notre travail là pour venir mettre dans sa faire. Et monsieur vient meilleur notre travail li. Un jour vient arriver, monsieur décide faire un autre choix. Et tant que monsieur voulait faire un acte de foi. Monsieur choisit pour quitter compagnie à tout capital de plusieurs milliers de dollars compagnie a gagné. Monsieur abandonné bel biwol avec machine compagnie. Monsieur fait tout ça parce que il était seulement besoin établi propre compagnie pal. Parce que monsieur a assez de connaissances pour le faire. Il rassemble comme monsieur te vle pour le travail à tête. Monsieur vle pour le patron tête. Pour ses league boss tête. Il veut mettre un business campé. Yon bel business. Monsieur il veut mettre le camp vrai. Monsieur bâti business en sorti depuis en bas arrivé juste en haut. Li vi gen pile succès dans business ça, en pile l'argent ak richesse. Monsieur vin a vivre vraiment bien, manger bien. Li ka acheter tout ça le veut. Mais gen yon bagay ki vin rive monsieur. Gon bagay qui vient arriver dans la vie monsieur ça. Comprendre que tout travail dit monsieur ça rend lui vienne confortable. Il commençait vivre une vie très confortable. Il réfléchit, il dit tête lui Kounia m'a fait un petit posé. Bon m'a joué free travail moi. Bon m'a fait un petit lever pied sous gaz là. Pour me prendre plaisir Kounia. Pour me prendre plaisir dans tout l'argent ça yo m'a rivé économiser. Monsieur fait ça pendant longtemps. Année après année jusqu'à ce que un jour li vin pa gen l'argent encore. Li tellement senti li confortable, li pa wè si business la ap krasé nan men. Li tellement senti li bien à l'aise, li pa wè si dépense li yo dépassé sa la rentré. Et puis ça arrivé, li perdit tout. Li perdit tout bagay. Monsieur vin gen yon maladie côté la couché sous cabane de l'hôpital. Et puis gen kèk moun ki te konnen ki a visité dans l'hôpital là et puis gen yon moun ki pose monsieur sa yon question. Yo mande ki sa ou apprend nan vi sa? Ki sa ou apprend? Ki leçon ou recevoir nan vi sa? Monsieur Bayon réponse qui très étonnant. Il dit satisfaction à confort, confortabilité. Satisfaction à confortable. C'est
plus gros l'ennemi en monde qu'a rencontré dans la vie. Parce que c'est un adversaire qui en dedans ou pas jamais elle va priver sur vous. Si ou pas surveiller. Dans Proverbe 1er verset 32 nous lit ça, mais ça le dit. Moun ki stupide là mourir n'en fait résistance. Insensé a senti li satisfait, li mourir l'elle senti li plus confortable. Proverbe 1er verset 32. Parole ça appliqué dans tout domaine dans la vie ça. Quel que soit ou t'as suivre Christ ou bien ou poko konverti. Parole bon Dieu dit imbécile la mourir nan dit tête li li confortable. Ou bien li satisfait. Pour nous même ça plus simple. Là où nous vivons senti li satisfait. Livé dans un niveau côté dans quel li senti li pas besoin goumer encore. Li pas besoin touyer tête li dans travail dit encore. Moi pas obligé dépenser même énergie encore. Pas gain désir ni envie pour faire même effort. Tendez frère Maxime. Est-ce que gagne un domaine dans vie ou senti la donne ou rivé dans satisfaction ou bien ou senti ou confortable? Ou confortable la donne? Si réponse là c'est oui. Et si ça t'arrivé domaine ça, il t'a entré dans cadre relation à Christ là. Alors m'a averti aux amis pam. Parole bon Dieu dit satisfaction ou confortable foi de tuile. Le ou confortable ou a perdu en pile. Ça veut dire ou sous route pour détruire tout. De pour senti ou confortable ou satisfait dans effort te fait pour arriver kotoye là, kotoye kounye ya, ou sous route pour perdre la vie. Tandis. Mais on petit test bien simple qui permet de connaître est-ce que ou gagne une confortabilité ou bien une satisfaction. Parce que parfois ou pas dit tout ça, mais pourtant ou agit comme ça. On va le bon petit test simple. Gardez bien pour qui répond sous cabaye. OK? Attendez. Est-ce qu'on songe à une époque où tu es plus à chercher bon Dieu que joyeux qu'on y est? Que j'en ap chercher le gounia. Pourquoi répondre? Est-ce qu'on songe yon temps chale l'évangile te plus que j'en yé gounia? Pourquoi répondre? Est-ce qu'on rappelle yon lè ou te kon passe plus temps kay bon di? Est-ce qu'on songe lè ou te bay est-ce qu'on songe yon lè ou te bay travail bon di ya? Plus importance que j'en ou yé kounye. Réfléchis toujours. Est-ce qu'on rappelle ou Jean ou te kon prier plus à plus chalet? Et puis plus souvent que Jean a fait le jeudi. Est-ce qu'on songe Jean ou te kon li Bible plus souvent que Jean fait le jeudi? Est-ce qu'on songe Jean ou te kon prêcher l'évangile à la mission à l'évangéliser plus que Jean fait le jeudi? Gagne une époque où pas capable jamais monter une machine sans pas parler de Jésus. Où tu es toujours dans service prière. Où tu es toujours dans étude biblique. Est-ce qu'on songe qui Jean où tu gagne chalet l'évangile? Attendez. Si gagne une toute ça me se dit là yo. Réponse là c'est oui. Ça veut dire ou vienne confortable. C'est comme ça pour évaluer. Est-ce qu'on vient confortable? Est-ce qu'on trouve confortable? Est-ce qu'on confortable? Où il vient un stade satisfaction qu'on y a? Et quand qui ça veut dire stade satisfaction? Où vient prendre mon Dieu? Tant qu'on y a un bagage au travail dit pour gagner. Où prend mon Dieu comme résultat mon travail? Et ça qui vient niveau. Où prend l'évangile là pour bénéfice travail? Attendez, ou prend onction yo
à grâce bon Dieu comme résultat travail ti ou. Contrairement avec au frère Maxime, diable a pas attaqué ou pendant une année et puis il dit tête li comme ça. Moi ka fait un petit posé kounia parce que attaque ça a porté un pile dommage dans vie monsieur pendant toute 13 ville. Jamais. Et c'est exactement ça nous-mêmes nous fait tant que chrétiens. Nous prions pour une bénédiction, nous prions pour une dimension à conction, nous prions pour une porte ouverte, une grâce mon Dieu, nous prions pour une visa, nous prions pour une travail là, nous prions, ok, pour nous une résidence là, nous prions pour nous acheter car là, nous prions pour nous réussir, pour nous une succès. En pile fois, bon Dieu dans grâce lui. Qu'on répond bien et puis accorder nous grâce avec bénédiction avec dimension et puis voilà tout doucement nous glisser descendre dans un état de satisfaction ou bien un état de confortable nous tout doucement senti nous vinn confortable nous vinn accepter situation présente nous la donne nous pas lever dans minute pour nous prier encore. Nous trop fatigués pour prier, pour faire prier minuit ou bien prier midi. Nous pas jeûne assez de temps pour prendre genou pour la prière. Nous pas à l'église parce que la pluie a tombé. Nous avons quelques gens, nous pas qu'à attendre message là ou bien nous pas qu'à attendre bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Mais songez bien. Avant nous te jeune travail là, avant promotion, avant mariage là, avant fiançailles là, avant dimension, avant te cachasse des mots, avant te jeune fonction l'église là, avant te réussir, avant te rencontrer les amis ça yo, réfléchis, avant mettre la téléphone prière yo, lever à 5h du matin pour prier, partir en lit, li partir en combat pour. La prière, comme de dit ça, la pluie à rivière cap descend, pas de jambe qu'on empêche à l'église, à le service l'église. Ou t'es toujours à demain en l'air, toute minuit, midi, ou pas raté. Ou pas qu'on raté vers de nuit. Visite quand malade, visite dans l'hôpital. Songez qui je s'atteye pour vous. La pluie coule au soleil. Ou pas jambe confortable, jambe confortable gounier. Dans Sophonie 1er verset 12, nous lit n'entends ça, m'a cherché avec lamp dans Jérusalem tout monde qui senti confortable et puis couché sous cabane. Ça cap dit dans cœur, bon Dieu pas fait ni bien ni mal. Sophonie 1er verset 12. Kouni apprend petit temps et puis garder dans cœur. Gardez nos cœurs pas ou même. Est-ce que flamme l'évangile qui était dans ou avant? Est-ce qu'elle vient plus briller ou bien elle vient plus faible? Ou bien elle presque éteinte, je dis. Est-ce que l'amour pour service bon Dieu, l'amour pour la prière, l'amour pour la Bible, est-ce qu'elle vient plus grandir ou bien ou pas senti même bagala encore? Est-ce que qu'on y a ou dit dans cœur? Ah, songe Jean vie spirituellement terre longtemps. Attendez. Qui est tombé jodi a? Li écrit noir sur blanc dans Bible là. Qui sa moun qui rive dans stade confortable après récolter. Noir sur blanc. Mes conseils moi kaba ou selon la Bible. Gardez Ephésiens 5 verset 15 à 16. Mais ça le dit. Prends précaution pour nous pas camper, pour nous pas faire battre, ou bien agir en coup insensé. Ou bien, il dit, mais c'est pour nous agir en coup monde qui sage. Employer tant nous bien, parce que jour n'est pas bon du tout. Ephésiens 5, verset 15 à 16. Li continue, li dit, moun ki sage la, li suppose employer tant li yo bien.
Français a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tendez frère Maxime. Vrai sage là. Li employé tout temps li gagne yo bien. Yo pas jamais senti yo trop confortable ou satisfait de ça ou déjà fait. Yo pas sont tombé dans satisfaction. Parce que quel que soit ça ou habitué faire pendant journée ou yo, c'est exactement ça ou décider faire. Comprenez? Quel que soit travail ou action posée pendant jour, non, c'est ça ou décider. C'est programme. Assurez-vous que bon Dieu c'est vraiment priorité. Là où confortable de situation de joyeux. Ou bien le senti ou déjà satisfait devant mon Dieu, c'est un gros malais qui prend Dieu sous tête. Nous encourageons nous pour nous grandir, désir nous gagner pour mon Dieu. Et puis dégager nous pour nous construire une vraie relation personnelle à Jésus-Christ. Bible a dit nous clair. Jouyo pas bon même. Moi même avec vous. Nous pas ka wè ki sa ki derrière mon yo. Nous pas nous pas gè capacité ça. Nous pas ka wè ki sa ki pas derrière. Qui pas derrière ti bout de ça. Nous pas wè ki sa ki pas derrière mur ça. Nous pas capable. C'est ça que fait. C'est vraiment important pour nous plus enflammer pour mon Dieu. Pour nous plus remplir avec cet esprit. Nous besoin de plus flamme pour lui chaque jour. Nous doué plus meilleur que je nous t'ayé, les nous t'ai fait commencer faire l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? Nous besoin ou bien nous doué toujours plus chaud dans service Christ là. Nous besoin assurer que chalet qui n'a que nous pas jamais capable d'éteindre à cause circonstances ou bien à cause difficulté ou bien à cause chaos qui existe dans le monde. On prend le son qui dans Luc chapitre 12 verset 16 à 20. Ça permet tout bien comprendre ça m'a dit. Li raconte, Jésus raconte yo yon lot parabole. Luc chapitre 12 verset 16 à 20. Li di yo, te gen un grand nèg ki te gen un pile récolte nan jardin. Li te fè pile récolte. Li réfléchi nan kèl, li di, ki sa mwen pou m fè encore? Parce que m pa gen lot place pou m sèye récolte mwen. OK, mais ki sa m'a fè? M'a crasé ti ka réserve yo, m'a construit réserve qui plus grand et puis m'a metté là-dedans yo tout récolte à tout bien moi. Et puis m'a parlé à nan moi m'a dit nan moi mon cher ou gen en pile richesse serré kounia pour en pile année encore kounia posé ou manger boire c'était tout plaisir. Mais bon Dieu dit comme ça imbécile pendant nuit ça même y a retiré nan mon nan mais et tout pile bien ça ou serré ya. Pour qui est-ce à prêter? Bien aimé, non riche ça, t'es confortable. Ok? Il t'es confortable. Il t'est arrivé dans un stade côté le sentir confortable. Ou bien le sentir satisfait. Puis, gars, nous jamais quitter nous glisser dans un niveau confortable là. Ou bien, puis, gars, nous jamais quitter un sentiment de complaisance. Ou bien ou sentou atteint un niveau ou ka fait un petit poser. Pas que tes bagages comme ça rentrer dans vie nous du tout. Toujours ba Jésus première place ak priorité dans cœur. Dans vie. C'est pour flamme l'amour pour lui. Flamme l'amour gè pour lui. Toujours a bouler dans cœur. Et puis a bouler que Jean t'a bouler dans temps. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Non. Ecclésiaste chapitre 7 verset 10. Il dit
Puis quand je me dis que j'en ça fait arriver que jour passé yo, temps passé yo, époque passé yo, t'es plus bon que jour jodi a, que temps jodi a. Il dit c'est pas avec sagesse que on mande un bagage comme ça. Est-ce qu'on comprend sa parole bon Dieu dit là? Dans l'évangile là, jour jodi a doit être plus meilleur que jour passé. Parce que jour passé c'est histoire l'évangile ou. Jour présent c'est niveau l'évangile. Est-ce qu'on comprend ça? C'est que jour passé pas ka plus meilleur que jour présent. Ça veut dire dans cadre vie spirituelle là flamme ou te gagne dans jour passé, il était plus faible que flamme ou supposé gagne aujourd'hui. Parce que ou t'es moins connu, ou t'es moins comme mon Dieu, ou t'es moins plus proche mon Dieu, ou t'es plus ignorant, mais aujourd'hui ou plus connu, ou gagne plus expérience, ou plus comprendre mon Dieu, ou plus proche mon Dieu. C'est que flamme non, il supposé plus limé, plus enflammé que les jours passés. Est-ce qu'on songe deux disciples sur chemin Emmaüs là? Dans Luc chapitre 24 verset 32. Pendant Jésus t'a parlé avec eux pendant sur chemin Emmaüs là, qui Jean pendant Jésus t'a parlé avec, est-ce qu'on songe qui Jean yo t'a dit, yo senti cœur Luc 24 verset 32. Yon t'a dit l'autre, est-ce que pas une flamme du feu qui t'a brûlé en dedans cœur pendant il t'a parlé avec nous dans route là? L'étape explique nous ça qui est écrit dans la parole là.